Bonjour tout le monde, donc on se retrouve dans Assassin's Creed Odyssey, dans l'épisode 9. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle que Elpenor, il se jouait de nous. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était arrangé pour que je tue mon beau-père, qui était en réalité au départ mon père, mais que Cassandra dit que c'est mon beau-père, et que je l'ai laissé en réalité en vie, et que j'ai fait croire à Elpenor qu'il est mort, et que, en fait, il voulait se jouer de nous, justement. Donc ce connard, il s'est enfui, puis je dois retrouver ce fils de pipe, j'ai rien d'autre à dire. Puis, c'est ça. Donc je le cherche toujours, en fait. Je dois savoir d'ailleurs où il est. Donc, la meilleure chose à faire, ce serait de commencer par voir la carte. Je vais peut-être aller dans ces endroits-là. Mais avant tout, j'aimerais bien faire une invasion. Ouais, j'aimerais bien essayer. J'espère juste que je vais pas mourir. Bon. Ah, tu tombes à pic, Mystios. Nous allons attaquer les frontières de Sparte et nous cherchons du renfort pour envoyer ces serpents chez Hadès. Tu veux prendre part à la victoire? Évidemment. D'accord, j'accepte. Ravi de l'entendre. Allons envoyer ces Spartiates aux enfers. Moi, tout ce que j'ai hâte, c'est avoir mon argent. J'espère que j'aurai des bons trucs. Pourvu que ça soit pas trop dur, par contre. Parce que là, l'autre fois, j'étais quand même un peu assez limite. Non mais ça va pas. Pourquoi quand j'attaque ça prend du temps? Oh shit, c'est vrai, ils sont de niveau 12. Moi je suis de niveau 10. Oh, ça fait chier. Bon débarras. J'ai comme un mauvais pressentiment là. Oh non. Oh oh. Merde. Non! Non mais ça va pas de nous attaquer comme ça, vous êtes trop de monde là! Oh my god! Croyez pouvoir t'en sortir vivant? Tu avais tort! Oh merde!
Oh mon dieu. Mais il faut que je l'attaque sérieusement. Non, je gagnerai pas. Impossible. Je suis beaucoup trop faible. Oh. Non, mais qu'il est fatigant celui-là. Même si je me bats contre lui et que j'arrive, rien me dit que... Oh, fudge. Oh fudge! Yo, mais c'est de la triche là! Yeah! Oh mais on perd la guerre, ça continue! Je bats, je continue. Et que je m'arrête pas. Ok, il faut que je m'attaque à ce coup plus fort. Je vois que ça. Ça va pas? Oh mon dieu. Non! Mince, ça continue, on risque de perdre. Je vais regarder la vie de ton corps.
Oh merde. Fudge. Miss. Non, j'ai perdu le fichier. Oh. C'est triste, mais c'est la vie. Ils vont le payer cher. Ça, je peux le dire. Oh. Bon, on s'en fout de ça pour de vrai. On n'était pas là pour tout ça. On doit chercher ce connard d'Elpenor. Qui on va aller en ville pour voir, ça va être mieux. Et allez, grouille-toi, Phobos. Bon. Laisse-moi voir un truc de minute. J'ai bien fait quelque chose. Oh, ils sont fatigants. Oh, encore. Moi, j'en ai rien à faire pour de vrai de eux. Tout ce que je cherche, c'est Elpenor. Elpenor. Il va le voir, ce connard. Il est toujours en focus, mais ça me dit absolument rien de où il est. C'est quoi cette tente en fait? Temple d'Artemis. Ok, rien d'intéressant ici. Ok, il est où le temple? Quoi ça? Oh, peu importe, ça m'intéresse vraiment pas. Ah, mais you, oh my god. Je te jure, il va le payer cher, ce Elpenor. Bon, peu importe. C'est trop long, moi j'escalade. On va voir qu'ici il y a quelque chose. Oh. Donc c'est là le temple d'Artémis, ok. Ben là, franchement, tu pouvais dire temple d'Artémis quand je serais en haut et non en bas. J'étais en bas, déjà tu me disais que j'étais au temple. C'est ça que je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, j'ai synchronisé le lieu. Puis ça, c'est les filles, je pense. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mais ça va pas de me parler comme ça? Franchement. Ces terres sont sacrées. Tu ne devrais pas être ici. Eh bien, pars ou dis-moi ce que tu veux. Qui es-tu? Une Mystios. Je ne viens pas créer d'ennui, mais si tu en cherches, je suis là. Donne-moi ton nom. Cassandra. Certains m'appellent la porteuse d'aigle. Sérieux? Je suis Daphnae, la supérieure des filles d'Artémis. Et tu es... peut-être la personne que je cherche. Quel genre de personne cherches-tu? Une guerrière! Une chasseresse! Quelqu'un qui reste neutre vis-à-vis du monde et des dieux. Quelqu'un qui relèvera mon défi. Présenté bon. Comme ça, comment pourrais-je refuser? Il y a un sanglier pas très loin d'ici. Tue-le. Oh non! J'ai comme un mauvais pressentiment. Je tue un cochon. Ce n'est pas un sanglier ordinaire. Voyons si tu es à la hauteur de mon défi. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Je t'attendrai avec ta récompense. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oh fudge. Ouais, j'ai un gros mauvais pressentiment.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est les filles d'Artemis. Voyons voir. Avant ça, je veux voir si ce connard il se cache ici. Non, on dirait pas. Ok. Ok. Donc mon oiseau s'est synchronisé et je me demande pourquoi il faut vraiment qu'il fasse le tour. C'est juste une perte de temps. Mais bon. Je veux pas me plaindre pour rien là. On est là pour s'amuser, hein. Bon. Notre cible est proche. J'ai comme une bonne impression. Ça, c'est du gros cochon. Oh, fudge. Va te faire. Je m'en calisse de ce cochon de merde. Désolé. Mais c'est vrai. Bon, au moins, on n'a pas perdu du temps pour rien. Je croyais avoir trouvé. Comment ça s'appelle là, Elpenor, mais non. C'est un gros cochon à la place. Allez. Je crois qu'avec lui, on n'y est pas. J'ai comme un mauvais pressentiment là. C'est quoi ça? Oh mon dieu! On dirait qu'il niaise par lui. Non! Allez, je me calme. Oh my god. Oh non, 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 je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je préfère mieux me sauver. Oh non, c'est quoi ce. Impossible que je le bats à mon niveau. Oh non. J'ai failli mourir durant cette guerre. Puis là, moi, j'essaie d'attaquer ce. Choisis un autre chemin, voyageuse. Il y a du danger plus loin. Et pourquoi ça? Une créature dépassant l'entendement des mortels règne sur ces terres. Tu es prévenu. J'espère que tu as de quoi payer le passeur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de me dire? Ok, ça mène vraiment pas tout ça. Ok, donc ça c'était les terres sacrées d'Apollon. On va aller voir dans ces trous perdus. Puis après ça, je crois qu'on va s'arrêter là. Oh non, je sauterai pas de là. Certes. Fudge. Fudge. Ok. Ouais, bon. C'est bien ici que j'ai fait marquer là. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Elle est là, là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que j'ai juste passé quelques secondes, il faut que vous commencez à m'attaquer. Allez. Je suis juste un simple voyageur, my god. De nos jours, on dirait que on pourrait juste passer à un endroit puis on va se faire tirer dessus. En fait, ça reflète un peu la réalité.
C'était quoi ça? Il est comme un bug, on dirait. Maison de la pitié. Oh, quelque chose me dit que j'ai touché le jackpot. Oh, fichu. J'espère au moins que je suis vraiment dans la bonne endroit. Tuer les gardes du culte, piller le trésor, bref. C'est juste pour ça que tu t'énerves comme ça? Oh my god! J'espère que tout ça vaudra la peine. On va laisser ce pauvre cochon pour l'instant là. Non. Il m'a flanqué une de ses trouilles comme pas possible. Oh non. J'ai pas envie d'aller le revoir. En tout cas pas pour l'instant. Oh my god. Y a quelqu'un? Barra. J'ai comme l'impression que cet imbécile n'est pas là. J'ai même pas vu qu'est-ce que j'ai eu. Dommage. Bah, de toute façon, je verrai après dans mon inventaire. Okay. Il y a un autre trésor, il est où?
Ah, il doit être là. On dirait que c'était une fausse alerte. Dommage. Attends, juste aller en bas. Puis s'il n'y a rien, ben... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que voulez-vous que je dise, plutôt? Désolé. Oh, j'espère pas. Dites-moi que c'est dans cette maison. Ce sera tout pour l'épisode 9 de Assassin's Creed Odyssey. J'espère qu'on va trouver cet imbécile de El Penor là qui arrête pas de se cacher là, parce que non, j'en ai marre de jouer à cache-cache. En tout cas, je vais faire en sorte que le retrouver. Puis, je m'occuperai de lui. C'est ça. Donc, je vous dis au revoir et à l'épisode 10.